Perfectly balanced. Good. Good. Le problème avec les bombes, c'est qu'elles n'explosent pas à l'impact, hein. On est d'accord, hein. On est d'accord. Non, il y a un délai, hein. Ouais, donc c'est pas intelligent. Perfect.
Est-ce que un rocher suffit ou pas? Un rocher en métal? D'ailleurs, c'est des rochers en métaux, en fait. C'est vachement cool. Est-ce que je peux les fusionner à mes armes ou j'ai pas le droit? Non, j'ai pas d'armes. Assez de vélocité sûrement. Alors, le problème c'est qu'en fait avec la Switch je ne vois pas quel truc a plus de vélocité qu'une roquette. Parce que la Switch calcule pas plus en fait. C'est pas droit mais... Fuck this! Let's roll, fuckers! Fuck. Perfectly balanced. Good. What?
Chercher à côté. Non, j'ai un plan. J'ai un plan. J'ai un plan. Thank you.
Le vent! Comment ça, bah oui, avec un objet de ce poids? Coriolis! Mais comment ça, Coriolis? Bon. C'est pas mérité, là, c'est pas mérité. J'en revenais pas de ce volume, j'ai cru que c'était un monstre qui rugissait. Ah. Si je me file à mes sens, ça fait 60 goro décibels. C'est pour te remercier de m'avoir laissé entendre à quel point le gong pouvait bien sonner. C'est tout? Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça, je veux que tu repousses tes limites. Tu veux tester ta force? Ouais. Yeah. Mais c'était mérité mon plan, de le faire partir par-dessus et de le faire éclater sa mémé à... Reconnaissez, c'était Kino au moins. Perfectly balanced. C'est pour voir si je peux faire un thème.
21 gros décibels, c'est de la merde. Ouais, vas-y. Ah. 76 gros décibels. C'est à partir de combien que ça devient intéressant? C'est quoi la limite de cette quête? Bonne question, ouais. Limite, c'est plus de 9000 watts. Ah non, mais d'accord. 200. Wow. Mmh. Ah, je suis curieux. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ah ouais. J'ai une question, si on colle un objet au trampoline, est-ce qu'il décolle ?
Même ça, elle atteint pas une vitesse énorme. Hein. Ça m'ennuie. J'ai l'effet de Coriolis, mais avec la fusée dirigée vers le bas. Ouais, mais leg. Déjà, un, calculer le vent. Déjà, deux, construire un truc. Ou partir du... Enfin... Ah. Ouais, non, frère. Oh. C'était... That was fun. Thanks, but no thanks, blah. Il faut savoir dire non, hein, bon. Il faut savoir s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça ressemble à un truc de corde, ça même. Vers le bas, donc juste 2 mètres au-dessus du gong. Ouais, mais il faut le construire, ça, leg. C'est énervé, tu vois. Hup!
Je pense pas qu'il aurait le temps d'accélérer. Hein. J'ai pas accepté le deal. J'ai pas accepté le deal. Je me casse. Il faut partir, madame. N'hésitez pas vous-même montrer des vidéos TikTok de gens qui font cette quête. Voilà. C'est rude. Cuisant. Eat shit, you zoom zoom! Oh shit, 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 shit. Pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée? Je pensais que ça activerait une... Enfin... Ouais, bon. Kinda worked. Well.
En réalité, ça n'a pas vraiment marché. Ah merde, 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 non, 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 non. Putain. Cut fucking... Get the fuck out of here. Je le jette. Je le jette pour m'en débarrasser. Ah, je suis vraiment trop con quand je suis, hein. Enfin bon. Bon, ça reste... Avouons-le, ça reste un succès probant. Est-ce que du coup, à part la flotte, ça marche pas sur eux, ça les tue pas instant? La foudre a un point faible. La roche, oui, non, mais... L'eau, Bob, j'ai déjà essayé des flèches d'eau, vous avez bien vu, ça n'a pas marché. Bouclier en bois, avec une garde plus 9. Et bim. Ouais. Et du coup, Double shield. Good. Transfert de force. Il y a moyen de se faire propulser. Bon.
Ah, je vais me faire propulser. Eh, j'ai pas réussi. En fait, moi, j'avais vu ça dès le début, brave Jean, c'était évident. C'est juste qu'en fait, je voulais absolument utiliser la trampoline, voir si je pouvais caler le truc en haut avec des piliers en dessous. Le problème, c'est que quand tu déplaces des choses avec l'hypermain, ça n'a pas d'inertie. Ça n'a aucune inertie, en fait. Donc, je peux pas pousser les objets. Ce qui est dommage, c'est moins pété que Magnésis, du coup. Donc, du coup, il faut jouer comme ils veulent, mais je suis sûr que... Je suis sûr que les speedrunners, eux, ont la technique de la porte. Tu vois, comme j'ai fait au début. C'est-à-dire que tu fais reverse sur la porte, brrr, donne un grand coup et là, brrr, ça te propulse. Vous pouvez pas coller les bâtons entre les deux plateformes? Ouais, t'as raison, j'aurais pu coller un bâton en dessous, un unique, puis en le soulevant avec Magnésis, puis après je l'arrête et je le rewind et je monte dedans. Mais... Il y a plusieurs manières de le faire, ce donjon, finalement. Ok, donc nous sommes sur le Great Plateau. Autant vous dire que je serais très hypé à l'idée de retrouver... The fuck are those? Alors, une solution, il me faudrait l'épée de lumière en vrai, mais je l'ai pas. Une île.
Jesus shit! Aucune idée. Qu'est-ce qui peut... Là, peut-être la fleur de lumière, mais je pense pas que la fleur de lumière de purification marche. Ils reviennent, j'espère. Tu auras une deuxième chance ou ils pop aléatoirement comme ça. Et tu vois, j'avais bien tenté avec ma fleur Lumos, mais... En plus, il est dur à esquiver parce qu'il a une attaque verticale et horizontale et il l'a fait super rapidement. Multiple stratégies! Non, c'est bon, il le télécommande, ok. C'est bon, il le télécharge. Contre-attaque plus. Zéro dégâts. Change de strat. Ah.
bitch. De ce sabre du plus sinistre augure qu'il aspire la vie de quiconque y touche. Le corps de son porteur est progressivement rongé par les miasmes. Amas de ténèbres. Arc du roi démon. Du coup, j'ai pas pris en photo l'erreur. Sabre miasmatique. Plus son porteur a de réceptacle de cœur, plus sa puissance d'attaque est élevée. Worthless. Sans la corruption, mon gars. Good. Pas crochet, effectivement, pas pensé. Bah ouais. Il suffit de pas toucher le manche. Hey, 9000 IQ. L'arc, c'est de la merde. Je l'ai pris en photo, c'est tout ce dont j'avais besoin. Bientôt fini. Merci. Good. Donc, l'énigme est sanctuaire de Kadalou et grotte de l'au-delà. Et là, il y a abîme ouest du prélude. Mont Ilia, je suis allé en haut, j'ai récupéré un korogu. Là, il y a un trou du cul. Là, il y a la petite cabane du vieux pêcheur où il y a enfin, du vieux bûcheron qui est maintenant devenu un clan Yiga et j'ai récupéré un masque. Les restes du temple du temps, j'ai récupéré un truc. Là, il y a un trou du cul. Où se trouve, à quel lac se situe la quête du golem géant? Parce qu'accessoirement, la statue il y a dans le temple du temps te dit pareil que elle, son âme est cachée dans le lac. C'est ce lac ou ce lac? Étant aux grenouilles. Et curieux de voir la salle de l'éveil. Je sais pas où est la salle de l'éveil en vrai. C'est ça? Non, ça c'est un arbre. C'est ça? C'est ça? Là, comment à droite? Là où est la partie de la muraille? Yes, ok. Good, merci beaucoup. Où est le muraille nord du prélude? Tu devrais voir une porte. Bois des esprits, ça? Non. À gauche, à droite, en haut, en bas? Qu'est-ce que... Rien n'est moins sûr.
Sud légèrement à gauche à partir du bois aux esprits. Peut-être ça là. Là, il y a un pont ou quelque chose. Ça doit être dans cette zone. Ça doit être dans cette zone. Quelle angoisse quand même, ces mains à Ganon. Silencio. Oups. J'étais peut-être un peu vaillant là. Peut-être un peu vaillant. Et d'ailleurs, c'est moi où ce plateau du prélude, il est moins haut que dans le premier jeu. Il me semble qu'il dépasse moins du sol, tu vois. Il n'a pas changé, d'accord. L'érosion. J'ai pensé à la même chose quand j'y suis allé. Ouais, tu vois, moi je me souvenais qu'il était plus haut. Plus sorti, tu vois. Plus décaloté. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est la glissade, quoi. Mais l'adhérence à des yeux. Putain, adhérence de merde. Je te tiens. Ah, on tombe pas quand il est à deux boucliers entassés l'un sur l'autre. Cool. Good thing to know. C'était pas là le début? Claquer ça pour ça. Pas loin, vous pensez que c'est juste au-dessus? Continue de remonter le chemin. Ah bah, il y a un bloopy. Merci à ma banque d'assurance Adhésio. Okay.
Ah, there we go. Mince de mince, t'as vu clair dans mon jeu. Cet endroit est un entrepôt secret où on cache ce qu'on trouve dans les profondeurs. Maintenant que tu l'as vu, je ne peux pas te laisser partir. Je vais te tuer. J'ai toujours du mal à esquiver leur attaque arrière comme ça. Un sabre de la défiance. Et bientôt cassé ce truc. Permet de créer des grandes ondes de choc. Avec la lame de vide. Yeah. Très bien. Des bananes cuites. Ok. There you go. Visiteur authentifié. Merci d'avoir chassé les intrus. Ils m'avaient transporté depuis les profondeurs jusqu'ici. Je ne pourrai pas retourner dans les profondeurs. Je vais continuer ma mission ici. Je gérais les gravures d'assemblage. On pouvait y miner et raffiner une grande quantité de sonium. Tiens, d'après mes analyses, j'ai une gravure d'assemblage que tu ne possèdes pas. Deux roues laser. Au fait, tu sais ce qui te passe, tu utilises du Bicata alors qu'il te manque des pièces. Dis-moi tout. Tu pourras pas créer l'objet. Néanmoins, si tu as du sonium, tu peux l'utiliser pour créer des pièces de substitution de forme et de propriétés identiques aux pièces manquantes. Sache juste que les pièces ainsi créées sont provisoires. Elles disparaissent si tu démontes la création et tu ne peux pas les utiliser pour faire autre chose. Cette limitation mise à part, il s'agit tout de même d'un pouvoir fort pratique. Fais en bon usage. Ok, merci beaucoup. Coup de robot. Bon, et ben... En vérité, la baguette de gel est trop pratique. Je vais... abandonner ça. Voilà. Bon ben voilà qui règle le sanctuaire de la Renaissance. Excellente nouvelle.
Ouais, tous les temples ont disparu. Je pense qu'ils se sont dissous quand Ganon a été vaincu, tu sais. C'est littéralement à ça qu'ils servaient. Ils ont démonté le sanctuaire comme des Romains, ouais, grave. Aucun sens, ils n'avaient pas créé la tech, ils l'avaient juste volé, bien sûr que si. Les Sheikas ont créé cette tech divine juste pour contrer Ganon, ça faisait des centaines de dizaines d'années qu'elles y étaient là. Et maintenant, bah ça s'est désactivé, ça a des pops, c'est tout. C'est pour ça d'ailleurs que t'as Pura et tous les autres qui essaient désespérément de faire en sorte que ça marche again. En imitant d'autres concepts, si tu veux. Parce que le problème, c'est que si les... Putain. Si ces salopes de tour ou technologie Sheikah s'activent que quand elles sentent Ganon, bah avec Ganondorf, ça va être complexe. Ils l'ont pas créé, souviens-toi, ils l'ont déterré. Pareil pour les 4 grandes bêtes. Froid insupportable. Mets ton style de fourrure. Merde! Il a chié leur concept. So civilized. Tellement économe ce modèle, ça veut rien dire en vrai. Il y en a une en étoile dessus. Wap! Putain, il était rapide. Ah.
deux. Maxi Jutas, hein. Les juges et les lois, ça me fait pas peur avec mon aéroglisseur. Wow. Est-ce que c'est là, l'énigme pour le golem géant ? Oh. Il est armuré, lui. Dommage. Ouais, le plateau est vachement moins haut qu'avant, hein. On me la fait pas, hein. On me la fait pas, on me la fait pas. Le Great Plateau, il était mille fois plus grand avant. Je veux rien savoir, je veux rien entendre. Hey. De quoi, tu cherches une arme généreuse pour bavarder un peu, si c'est pour la bonne cause. Cherche vestige Sonao. Il y a une tour de reconnaissance dans le coin. Ok. Et là, elle va me parler des îles volantes, ouais, au-dessus. Il a décroché la pomme, mais... Oh shit, ça par contre, ça commence à faire beaucoup. Mademoiselle ! Samuel ? Merci, madame. Thank you.
fou, regardez les formes de cette meuf! Jesus Christ! Tu es arrivé à point nommé, ils avaient aucune chance. Je tiens à te remercier. Merci, madame. Oh! Ouais, c'est bon, t'as pas la louche. Désolé, on n'est jamais trop prudente. En tant que soldat de Geruyu, je traque le gang des Yiga sans relâche. C'est une bande de vauriens qui s'en prend aux voyageurs. Non! Pour ne rien arranger, ce sont des maîtres du déguisement. Ils n'hésiteront pas à se faire passer pour de simples voyageurs portant des pièges à leur proie. Sois très prudent, les Yiga se cachent partout. Très bien, madame. Le bâton solide. Merci. Ah, chier. Je l'ai. Un long bâton solide, hein. Quoi qu'attends. Non, il va me falloir du, il me faut du. Sabota, madame. Ok, donc dis-y, on est fou. Oui, là, donc ça, ça brille. Qu'est-ce? Princesse de la sérénité, photo exclusive. Une tombe pour Roam Bosphoramus des Héroulés. À la mémoire de toutes les vies volées par le fléau, je dédie cette stèle, Zelda. Oh, elle a fait son travail de chef d'État. Ah! Les juges et les lois! Ça fait pas peur! Ah, la cuve! Kirikou n'est pas grand, bleh, mais il est vaillant, Kirikou nous libère malgré la sorcière. Toi qui entends ma voix, viens à moi, dirige-toi vers les ruines du temple du temps au bout du chemin sur le plateau au sud-est d'ici. Ok, ok. Je m'en doutais. Oui! Si! Si!
Nyugetsu. Doui. Putain, c'est plat ici, hein. Jesus, shit. Yeah.
Fuck. Thank you. Merci beaucoup. Toute cette rentabilité. Tout ça pour quelques flèches, hein. Tellement rentable. Toute cette rentabilité, putain. Oh là là là. On se régale, hein. Moi, je sais pas vous, mais moi, je me suis régalé, hein. La régalade. J'ai encore un, deux, trois objets de fouilles plus des armes de défense. Excellent. Je vais pouvoir aller dans les tréfonds et récupérer du zonium. Non, et la glace est broken. Et après, il faut le mettre sur un bâton de mage. C'est ça, le twist scénaristique. Et après, il faut aller chercher la merde, comme t'as bien vu. Mais c'est rentable, hein. Ah ! Touché. Rentable ? Boomerang et Saphir, ça peut rendre drôle. Ouais, mais seulement si j'en suis pas affecté. Rien n'est moins sûr, malheureusement. Oh, il est tombé trop bas, j'ai la flemme. Ok. Il y a... J'y suis. Now, be nice and give me the good shit. Toi qui entends ma voix, en évacuant l'eau par la porte de la muraille, tu as partiellement libéré mon esprit. Je te remercie du fond du cœur. J'ai revêtu l'apparence de cette statue pour te parler depuis les profondeurs de la terre. Ouh. Toi qui entends ma voix. What? Rends-toi auprès des quatre abîmes du plateau que je t'indique à présent. Prends mes yeux qui sont près de ces abîmes et jette-les dedans. Apporte-les ensuite jusqu'à moi dans les profondeurs de la terre sous ce temple. Si tu fais ce que je te demande, tu seras récompensé. Well, shit. Chaos Control! Whoa, shit! No! Ah! Ma moto! Donc oui, il y avait un mec qui faisait des vêtements que j'ai sauvé dans ce bâtiment. Je crois pas qu'on aura assez de sexe à pile. Prends mes yeux et jette-les dans les trous. Qu'entend-il par ses yeux ?
That's one. Mon speeder bike. Fuck, est-ce qu'il est tombé? Il a même été peut-être détruit. Shit! Bon. Pas de panique. Et il est au-dessus. On a pas mis une alarme dessus? Non! C'est tup tup. Ah ouais, Dieu merci. C'est vraiment le meilleur moyen de transport du jeu, hein. Je suis désolé, mais cette machine que j'ai trouvée là, mon gars... Ah, tu peux tout faire avec, ah, j'avoue. Ah, le truc en fait, c'est qu'elle est vachement économique, c'est ça le l'avantage. Ok. You shit. Ok. Yeah!
êtes déjà venu ici en plus. Alors, où est l'œil? Ah. J'espère que j'aurai assez d'énergie pour passer ce lac à la con. Sinon la chute va être difficile. La chute va être difficile. Shit. Ok. Qu'on sorte une arme au pire. Mais non, mais je veux pouvoir, comment dire, continuer à être mobile, si tu veux. Quand ça boum. Quand ça boum. Ok. En vrai, le modèle multiplat avec seulement deux, comment ça s'appelle ? Seulement deux moteurs, il va pas très vite. Hein. Celui qui avait en dessous et les deux à l'arrière qui propulsaient, je trouvais qu'il avait vraiment un équilibre. Après, malheureusement, il consommait masse de piles. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'une luge pourrait être utile. Hein. Enfin. Quand même, hein, y a pas à chier, je couvre beaucoup plus de distance avec cette machine. C'est juste que voilà, elle est pas parfaite. Elle est pas parfaite. Après, pour un Segway, il est stable, hein. Je trouve. Pareil, il s'agit de pas tomber dans le trou. Ni au milieu totalement de la corruption, si possible. Genre là, ouais. Ici, on est bien. Voilà, pas mal. Olé ! Ah ! Ouais, je... I can work with that. Ok. Vous saviez ce que j'avais prévu faire durant ce live? Parce que je vais bientôt m'arrêter. Hein. D'aller dans les profondeurs et de miner du zonium jusqu'à plus soif. Et ben, je ferai ça pour la propreté, tiens. Ah bah c'est confort, absolument. Parce que, rappelez-vous, hein, 300 zonai, c'est plein de petites piles. Plein de petites piles, c'est des batteries. Plein de batteries, c'est moins de chutes en aéroglisseur. Après, je suis d'accord, c'est kino, tu vois, mais... En vrai, c'est dangereux de ouf. Regarde, ça la moitié déjà. Et... Putain, et ça nous chie dessus des cailloux de l'espace aussi. Même si je reste intimement persuadé qu'un caillou de l'espace pourrait être utile. Pour peu qu'on maîtrise le... Ah.
déjà. Oh. Je vois tout. Tu portes la marque d'une mort imminente. Ne crains rien, je lis l'avenir dans les habits. Tu veux connaître ton destin? Ouais, vas-y, je vais mourir, c'est ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. L'œil. Ah, le voilà. Oups. Allez! Good! Ouh. Non! Ah! Ah! Fort aimable. Statut de génie. Comment faire? C'est ça, d'accord. Il faut que ce soit là, ok. Ok. Fais-toi une moto et colle l'œil à l'arrière, j'ai plus de zonaï. Bon, moi j'ai bien éclairé la zone. Sortir les artefacts de ton inventaire, fair enough.
suis bête aussi, vous avez raison. Mettre la gomme. Ah, j'avais pas sauvegardé le modèle triple. Chier. Ben.
Que... Vrai, une simple planche, mais y a rien ici. Bonne messe. Merci Benzaï pour le raid. Merci me sauce. Alors que nous essayons désespérément de faire décoller un engin pour une quête. Mais qu'on en chie de l'outre parce que l'engin est lourd. Enfin pas l'engin mais l'objet à transporter est lourd sa race. Allez, courage! Oh, c'est... Stablidi... Stablichon! Stabliché! C'est la stablitude! Ok, that's the best I could do. Qu'est-ce que c'est que ça? Dernier emplacement. Statue de génie. There we go. C'est en dessous.
jeu de zoomer. Il faut que je l'amène où? En dessous là. En dessous de la forge, c'est ça? Sous-sol. C'est un processus, hein? Putain de... Injuste. 100% injuste. Terriblement injuste. L'œil a disparu, bien sûr. Of course. Big plans. Mieux quand même, ça m'a coûté cher en sonium, mais
tellement économe comme véhicule. Tu as restitué un de mes yeux. Souviens-toi des abîmes vers lesquels je t'ai guidé sur le plateau. Rapporte-moi jusqu'au dernier de mes yeux. Tout one shot dans ce jeu. Comment il se souvient de ça? C'est la politesse. Au-dessus ou en dessous? Rien n'est moins sûr.
Flip. Vise la tête! Merci! Ah! Putain. Yes, ça ne change rien. Ouais, d'accord, super. Good. Avec ça, soudainement, j'ai quelques essais supplémentaires. Voilà. Non, je pars tourner dans la fosse entre deux lives. Pas eu le temps, t'as tellement de choses à faire dans ce jeu. Ok. This time. Let's go. Ah ha.
Ok. Ok. Porte-avions, le truc, hein. Pas mal. Tu m'as restitué deux de mes yeux. Ouais, ouais, j'y travaille. Thank you.
shit. Après, c'est pas si mal. Oh non, commence pas à avoir de la faiblesse là! Mais quel oiseau de merde! Putain, je swear. Sick grind, bro! Quel enfer! Ah! Voilà. Bruh. Thank you.
fixed. Bon, les roues elles tournent même pas. Nintendo, vous êtes sérieux? Au secours. 10 sur 10, hein. Jeu du siècle. Fait de perspective. Effet de Coriolis, Bob. Chercher des excuses, mais moi je vois que les chariots ils ont des roues, si tu veux, et que les roues elles tournent pas, ça fait pas de sens. Ok, bon, last motherfucker. Là où je voulais être. Good.
Bon, c'est gratuit. En vrai, c'est gratuit. J'ai bien fait de débloquer plein de plantes dès le début. Sinon, ça aurait été bien la bite, hein. Ah ! La voiture ! Pour aller vite ! Rouler sur la lune ! Bon, ça va être le tout-terrain au moins. Au moins, le truc va être suffisamment lourd pour être transportable. You shit! Get the fuck out of here! Bon. Voilà, une dixième. Moi, ça semble stable, grave. En plus, comme c'est une luge, si jamais elle bump sur le cul, elle touchera, tu vois. It should all be smooth sailing. Ça rame du fiac. Mais c'est stable.
We're here anyway. There we fucking go. Merci de m'avoir restitué les quatre yeux qui renferment mon esprit. Je peux ainsi te parler. Je suis celui dont les quatre yeux furent jadis dérobés et fut ensuite enfermé. J'attendais l'élu capable d'entendre ma voix et de répondre à ma demande. Et maintenant je vais te récompenser comme je te l'avais promis. Je vais t'offrir le réceptacle de ton choix. Lequel veux-tu ? Endurance. Tu as double cercle, Boubou. Voici un bol. Ah, les esprits. Très bien, le bien et le mal, ce sont que des vaines perceptions d'être terre à terre. Je ne discrimine pas les esprits errants. Âme des ténèbres, fleur de confusion, champi fumigène, fleur bombe, tunique noire, botte du dieu démon, mais je les ai déjà. Baguette magique. Bé-bé-bé. Bon, c'était long et chiant. Ah. Mais le résultat en valait la chandelle. On commence à voir un drip. Ouais, bon. Voilà, on commence à voir un drip, disais-je. Pourquoi j'ai mis un tampon là ? J'ai pas la fonction de recherche ? Si, hein, j'espère.
Voilà. Le tampon, c'était pour pas perdre une statue, je crois. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Dodo avant de voir le prochain papillon. Tu as raison. Ah, video games. So nice. Je trouverais bien Korogusama pour acheter des upgrades, mais comme je sais pas où il est, c'est enculé. Ouais, bonne chance, hein! Yeah.
C'est pas par là le village des limites? J'ai appris auprès des Gorodou comment fabriquer des peluches de morse des sables, mais il faut encore que j'arrive à les livrer aux enfants de l'école des limites. J'ai hâte de voir leur tête ravie quand je distribue les peluches. Je vais m'entraîner à distribuer, comme ça je serai prête. Bonsoir, je suis la dame aux peluches. On aurait vu mieux pour se présenter. Si, j'ai ça. Bonsoir les enfants, ça morse? Je suis ridicule. Oh! Tu m'as fait peur! Regarde ça, toutes les peluches ont été éparpillées. Je me suis donné du mal pour fabriquer 10 de ces peluches. Je vais faire comment pour les ramasser, hein? J'en ai deux. Tu vas m'aider? Récupère-les et pose-les sur le chariot. Ok. Fais attention à bien charger les peluches pour qu'aucune ne tombe. Oh! C'est pas exactement passionnant d'attendre à rien faire, je vais regarder le temps que tu mets. Attends voir. T'aurais quand même pas l'intention de me piquer ma marchandise, je te fais confiance, d'accord? Bah Ruby, je te les rendrai quand t'auras terminé, sans moi. Oh! Ouais, c'est ça, ouais. Oh, elle a bien bossé, hein. Ma moto! Pure curiosité, comment vous avez fait pour récupérer les peluches et les mettre rapidement sur le challenge? Est-ce que tu peux genre mettre une plaque par-dessus son truc, ce qui fait que quand le cheval prend peur, les peluches sortent pas? Ou est-ce que c'est scripté? Emprise simplement, ouais. Tu es collant entre elles. Ouais, parce que moi je pensais, tu vois, si tu mets 4 plaques au-dessus de ça, le cheval il fait blablabla. Mais tu sais, les peluches elles vont nulle part en fait. Sauf si c'est scripté et que c'est une cinématique. Enfin. Allez, je suis. Allez, vous couchez. Partez! Je vous aime, je vous fais des bisous, bonne nuit, partez!